Lily Rose, qu'est-ce que tu fais là? Oh, mais c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe ici? Eh oh, Lily Rose! Lily Rose! Mais qu'est-ce qui se passe dans ta chambre? Pourquoi il y a plein de fumée comme ça? Eh oh, Lily Rose! Lily Rose! Oh, c'est pas possible, regardez! Il y a de la fumée partout! Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah, oh, mais je peux pas rester ici! Ah, mais je sais même pas si on me voit à la caméra! Ah, mais c'est horrible! Mais il y a de la fumée qui sort de la chambre! Oh, je vais me mettre ailleurs! Qu'est-ce qu'elle a fait encore Lily Rose comme expérience? Je sais pas si vous voyez bien à la caméra, mais il y a plein de fumée qui sort de la chambre de Lily Rose. Lily, t'es là? Tu me fais une blague là? Eh oh, t'arrêtes de mettre de la fumée comme ça partout dans la maison. Oh. Lily Rose, t'es dans ton lit, ça va? Ah, c'est quoi ça? Eh oh, mais vous êtes qui? Vous êtes qui? Oh, on voit rien. Ah, les amis, on voit rien à la caméra. Ah, oh, mais attends, mais moi je pars d'ici, ça pue. Ah non, ça pue, je peux pas rester ici. Les amis, on voit plus rien. Ah, bon, salut à tous les amis. J'espère que vous allez bien. Bon, en tout cas, bah, comme vous le voyez, je viens de démarrer la vidéo. Je savais même pas que j'allais faire une vidéo aujourd'hui. Voilà, pour tout vous dire. Là, j'ai commencé à sentir une odeur ultra bizarre. J'étais dans la cuisine. Et là, j'ai vu de la fumée qui venait de l'étage, là. Qui venait de la chambre de Lily Rose. Vous êtes qui? Qu'est-ce que tu attends? Mais tu me reconnais pas? Comment ça, je te reconnais pas? Mais t'es qui? Et qu'est-ce que tu fais dans la chambre de Lily Rose? Je veux revoir Lily Rose. Comment ça, tu veux revoir Lily Rose? Bah oui, je veux revoir Lily Rose. Là, j'aimerais bien la voir pour savoir ce qu'elle a fait. Ah, attends. Je suis le maître des cockpits. On va ouvrir la fenêtre. Attends, mais bouge de là, j'ai pas que ça à faire. Ah. Je vois le maître des cockpits. Attends, on va ouvrir les fenêtres. Ah. Bon, si tu veux m'expliquer quelque chose, pars d'ici. Moi, je reste pas là. Ah. Alors... Et c'est horrible, ça sent le... Voilà, je vais vous dire, les amis, ça sent le prout, voilà. Ah, pourquoi il y a autant de fumée? Ah, bon, viens ici, là, le mec bizarre. Alors, je suis le maître des pop-its. Tu es qui? Le maître des pop-its. Le maître des pop-its? Oui, si tu veux retrouver Lily Rose, il faudra jouer à un jeu. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Bon, viens, je sais pas qui tu es, je sais pas ce que tu fais chez nous, mais viens, on va s'éloigner de toute cette fumée. Bon, les amis, je me souviens de lui, effectivement. Je l'avais totalement oublié, mais on a fait une vidéo sur lui il y a quelques jours. Voilà, et en fait, c'est un mec, c'est un arnaqueur, en fait. C'est vraiment quelqu'un de très méchant. À chaque fois, il veut qu'on joue à son jeu, et sauf qu'il triche. Et si on perd, on doit lui donner plein de choses. Oui, bon, qu'est-ce que tu veux? Alors, tu te souviens la dernière fois, hein? Oui. Bon, j'ai perdu la partie, mais là, je vais gagner. Bon. Si tu veux revoir Lily Rose. Comment ça, si je veux revoir Lily Rose? Elle est où, Lily Rose? Je l'ai cachée quelque part. Comment ça, tu l'as cachée quelque part? Elle pourra revenir uniquement que si tu gagnes. Pourquoi dans sa chambre, il y a plein de fumée? C'est toi qui as fait ça? Oui, c'est moi. Quand j'apparais, il y a de la fumée qui apparaît aussi. Tu peux apparaître chez nous comme ça, du coup? Oui, quand je veux, où je veux. Et t'as fait disparaître Lily Rose. Et je peux embêter qui je veux. Oui, Lily Rose, je l'ai mis quelque part, là où tu ne verras. Où tu la reverras jamais. Mais vous vous rendez compte, il a fait disparaître Lily Rose. Et maintenant, tu veux que je joue à un jeu avec toi? Oui, si tu veux la récupérer. Pour qu'elle réapparaisse? Oui. Non, mais c'est quoi ce degré de méchanceté, là? Et en même temps, si tu veux récupérer ta maison, parce que... Si tu perds, je récupère la maison également. Comment ça, si je perds? Attends, j'ai pas compris là. Si je gagne à ton jeu, je récupère Lily Rose. Enfin, Lily Rose réapparaît. Voilà. Mais si je perds à ton jeu, tu prends notre maison carrément. Carrément. Non, mais c'est une blague. Et regarde. La dernière fois, il a voulu faire ça aussi. Si je perdais à son jeu, il voulait récupérer toute notre maison. Mais heureusement, on a compris que tu trichais la dernière fois. Oui, mais là, j'ai une version améliorée de mon jeu du pop-it. Bon, vas-y. Dans ta mallette, il y a plein de sous, hein. C'est incroyable. Hein. Franchement, tu dois gagner très souvent. Bon, allez. Laisse ma mallette tranquille. Ah non, encore ce foutu jeu. Oui, c'est amélioré. Je l'ai amélioré depuis le temps. Bon, les amis, pour ceux qui ne connaissent pas ce jeu, c'est le jeu du pop-it. Vous inquiétez pas, je vais vous expliquer toutes les règles. En gros... Ah non, mais tu triches, là, t'as déjà plein de points. Hein. Je mets en place. Ouais, vas-y, mets en place. En gros, on doit jouer avec les dés lumineux comme ça. Là, par exemple, j'ai fait... 1 plus 2, ça fait 3. Et du coup, j'ai le droit de marquer 3 points, comme ça. De claquer 3 pop-its. C'est bien, tu te souviens. Et celui qui a terminé de claquer tous ses pop-its, bah, gagne la partie. Il a gagné. Bon. Mais c'est moi le maître des pop-its. C'est moi qui vais gagner. Bon, allez, dépêche-toi. Là, j'ai hâte de démarrer la partie parce que je sais pas où est Lily Rose, mais il faut qu'elle rentre au plus vite. C'est une catastrophe. Comment ça, elle va très bien? Tu l'as fait disparaître dans tout un nuage de fumée. Elle doit être terrifiée.
Elle doit être terrifiée. Non, non, ne t'inquiète pas, elle est en train de jouer avec des pop-its. Bon, allez, on se dépêche. Je démarre la partie cette fois. Vas-y, démarre. Allez. Ah, 9. Oh, très beau score. 9, 9, c'est pas mal, 9. Allez, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est parti. À mon tour, regarde, un petit 12. C'est une blague. 12. Qu'est-ce que ça veut dire, 12? Mais tu triches, c'est pas possible. Non, étant donné que j'ai fait un double 6, je peux rejouer. Attends, parce que t'as fait 12, tu peux rejouer une deuxième fois. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Non, mais c'est une blague. Et non, c'est le jeu. Il est en train de tricher. Tu as accepté. T'es en train de tricher, je suis sûr que tes dés, ils sont tricheurs. Non, non, c'est des dés tricheurs. Encore une fois, allez. Et bah écoute, je vais te dire, oh mais t'as refait 12. Ah oh, mais c'est pas possible. Écoute-moi bien, ton jeu, je m'en fiche de ton jeu. Écoute-moi, écoute-moi, tu peux apparaître où tu veux. Et bah tu vas, hop. Je vais l'enfermer à clé. Hop. Voilà, terminé. T'es enfermé ici. Oh, non mais c'est pas possible. On va voir si tu sais apparaître et disparaître où tu veux avec ta fumée. Bon les amis, je vais pas me laisser avoir comme ça par un mauvais joueur, par un tricheur. Et il commence à avoir de la fumée dans toute la maison. Oh, c'est pas possible. Lily Rose, Lily Rose, t'es dans ta chambre? Oh là là, oh, regardez toute la fumée. Même si j'ai ouvert les fenêtres. Ah, Lily Rose, t'es là? Lily, t'es ici? C'est quoi ce bruit? Oh non! Oh non! Il y a de la nouvelle fumée! Oh, c'est pas possible! Il y a de la nouvelle fumée! Attends! Ah, mais c'est bizarre! Mais je suis où? Mais attends, mais je suis en train de me déplacer! Je suis où? Mais je suis où? Mais qu'est-ce que tu croyais? Hein? T'es là? Ah! C'est quoi ça? Oh, c'est pas possible! Je suis où? Oh, je suis dans une pièce toute blanche! Où est-ce que je suis? Lily Rose, t'es là? Oh là 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 là, je m'en doutais qu'il allait me piéger. J'ai pas voulu jouer à son jeu. Du coup, quand je suis retourné dans la chambre de Lily Rose, vous avez vu, d'un coup, il y a eu plein de fumée. Et... Oh là là, et je me suis retrouvé bloqué. Ah, oh, c'est pas possible. Il m'a piégé. Sauf que maintenant, on est coincé dans une pièce blanche comme ça. Eh oh, il y a quelqu'un? Et comme on est coincé dans une pièce blanche, il peut faire ce qu'il fait. Il peut faire ce qu'il veut de notre maison. Eh oh, Lily Rose, t'es là? En plus, je peux même pas partir par le plafond. Eh oh, Lily Rose, t'es coincée ici aussi? On s'est tous les deux téléportés, là, dans son nuage de fumée. Pendant ce temps-là, il peut avoir notre maison. Lily Rose, t'es là? Bon, les amis, je sais pas comment ça va se terminer, cette histoire. Mais je pense qu'on va s'arrêter là, et il y aura certainement un autre épisode. Allez, à la prochaine. Ciao. Mais qu'est-ce que tu croyais? Hein?